amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur GTA Online pour vous montrer la voiture la plus rapide du jeu. Ah ouais, vous allez dire ouais c'est la T20 ou c'est la Z-Tornée, et bah non, c'est la rapide, débauchée rapide GTA. Alors pour commencer, je vais vous dire les caractéristiques pour qu'elle soit plus rapide que ces véhicules. Alors c'est très simple, alors bien sûr c'est la débauchée, attends, voilà, rapide GTA. Après, il faudra mettre le blindage à 100% au maximum. Les suspensions de sport, alors rien d'autre, les suspensions de sport. Alors, ne surtout pas mettre les pneus à l'épreuve de balle. Et tirer sur le disque des pneus. Alors là, c'est Vincent qui a créé en fait. Les jantes, de sport. Vous allez dans les jantes de sport. Vous achetez les jantes split, enfin bref, les dernières jantes de sport, vous verrez. Voilà. Et ensuite, vous les équipez et ensuite vous allez vous tirer ici, regardez. Là où il y a le disque de frein, vous tirez vers le bas. Vous allez voir au bout d'un moment que votre voiture va se rabaisser. Ensuite, dès que la roue de derrière est rabaissée, vous allez sur celle de devant, vous faites exactement pareil. Ensuite, vous faites exactement pareil de l'autre côté et voilà, le tour est joué. Voilà, alors faut bien pas du tout tirer sur les pneus, sinon ça va le crever, parce qu'on n'a pas mis les pneus à l'épreuve de balle. Alors pour cela, je l'ai pas dit, mais je suis en compagnie de Vincent et Ryan, salut à vous. Salut. Alors la couleur que j'ai, c'est pas la couleur de crew encore, j'ai pas encore mise. Alors voilà, alors dédicace à toi Vincent, sa chaîne sera dans la description. Et ne t'inquiète pas, Michael Togara, la prochaine c'est à toi, c'est juste parce que lui c'est celui-là de la vidéo, c'est un peu le mec de la vidéo. Allez go, 3, allez, la bombe coulante, je le mets, 3, 2, 1, go. Allez, regardez, il va nous tracer en vite. Là je le trace et vous allez voir, je l'ai mis au max, hein, ma T20 au max. Allez, salut, hein. Alors regardez où il est. Et t'as vu Ryan? Ouais. Elle est trop rapide, elle trace tout le monde. Voilà, alors, on a enfin trouvé la voiture la plus rapide du jeu. Alors non, ce n'est pas la T20. On fait un test si vous voulez. Ouais, bah on pourra faire un test. Allez, aller-retour. Allez, on se place bien. Attends. Même on prend un peu d'avance, regarde, jusqu'à là. Tu vois. Il va quand même nous dépasser. Vas-y. 3, 2, 1, go. Et là. Ah merde, c'était une grenade. Ouais, on est de l'amour. Ah bah attendez, oh. Voilà, j'ai pris beaucoup d'avance, hein, comme vous le voyez. Et regardez derrière vous. Voilà. Non, les gars, la triche, mais moi j'ai raté. Ah bon, de toute façon, c'est là. Nous, on est plus rapide que toi. Si, merde. Bah, c'est vrai, la Zen Tornado, elle est moins rapide qu'à T1. Alors voilà, on a enfin trouvé la voiture la plus rapide. Enfin, enfin trouvé, non. Il l'a trouvé. C'est Vincent qui l'a trouvé, il n'y a personne d'autre, c'est lui qui l'a trouvé, c'est GG à toi. Voilà, il me fait un fuck, je l'aime pas, je vais me tirer une balle. Alors voilà, dites-lui vraiment un grand GG, tu le mérites. J'espère que. Bah, abonnez-vous à sa chaîne, elle sera dans la description, elle sera juste aussi en haut de votre écran. Alors voilà, alors je vais juste faire une petite parenthèse à part. Alors j'avais dit que je vais faire maintenant chaque vidéo une petite dédicace. Alors la prochaine c'est Michael Togara et Natosh, un truc comme ça. Voilà, c'est la personne qui a 2 abonnés. Alors je vais vous faire une petite dédicace dans la prochaine. Alors désolé, je voulais pas la faire devant là parce que ça c'est la vidéo pour moi de mod. Et c'est vraiment important cette vidéo quand même. Alors voilà, en tout cas merci beaucoup. Et alors n'oublie pas de lâcher un gros like, de s'abonner aussi, de s'abonner à la chaîne de Mud, alors c'est la chaîne. Action les gars, attention à ce qui. Ah bah bien joué, bien joué. Ah c'est Vidix. Ah merde. Oui. Dédicace à Vidix. Excusez-moi. Bon bref, alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bye. Bye. Le violet bonbon, on va dire, ouais, on va dire comme ça. Parce que c'est sympa. Je l'ai. Alors voilà.